Alors, actualité, vous en avez parlé, de Lellouche, vous tournez à Béziers ? Oui, depuis une semaine on est à Béziers, et après on va à Paris, après on va à Avignon, après on va en Bourgogne. Ouais. Oui, c'est Claude Lellouche. Oui, et c'est toujours, parce que vous avez déjà tourné avec Claude Lellouche. Oui. Sa méthode a un peu changé, parce que il paraît qu'en tournée, il vous soufflait le texte sous la table, tout ça. Moi c'est pareil, toujours. Toujours pareil. J'ai pas lu le scénario. Je sais que je joue un avocat et il me raconte l'histoire au fur et à mesure. Et la seule chose que j'ai eue écrite, c'est une chose que j'ai tournée hier et c'était une plaidoirie parce que c'est un avocat donc oui. Il plaide et pour son. Et donc le texte de la plaidoirie, il me l'a donné. D'accord. Mais il m'a dit tu fais ce que tu veux. J'ai dit alors pourquoi tu me donnes le texte ? Moi, la plus belle scène que j'ai tournée avec Claude, c'est dans Les Misérables, oui. Avec Annie Girardot, qui est un moment, pour moi, que j'oublierai jamais, parce que c'est une des dernières scènes que Girardot a tournée, qu'elle a été bouleversante, merveilleuse. Jamais j'oublierai cette matinée-là. Et je ne connaissais pas le texte que je devais dire. Et il était entre nous deux, et il me soufflait. Il soufflait à Annie Girardot le texte qu'elle devait dire, il me soufflait à moi. Et avant de tourner, il m'a dit, je te préviens, elle va te dire ça. Sauf qu'il lui a dit à elle autre chose. Donc elle. Il s'amuse avec vous. Oui, mais c'était vraiment un moment vraiment magnifique, quoi, de voir Annie Girardot, ça a été un privilège pour bien moi. Sûr, bien sûr. D'ailleurs, on a tourné pendant toute une matinée cette scène-là, et à un moment donné, il a coupé, il m'a dit « Michel, t'es acteur dans la scène, t'es pas spectateur. » L'important, vous vous foutez de ma gueule. Non. Ça pèse 30, ça pèse 70 kilos, ce truc-là. Oh putain, ce qu'il est lourd. Vous êtes des malades. Bon, vous pourriez pas le faire moins lourd. Ben oui, mais c'est en bronze. Donc. Alors, est-ce qu'on le garde et on vous le transporte parce que vous allez quand même souffrir. Oui, souvent. Voilà. Parce que je suis très touché, mais est-ce que vous pouvez le garder? On le garde le temps d'aller. On vous le ramène. Vous repartez à Béziers tout seul ou On me ramène demain. Bon, ben, on mais si vous avez un camion. Merci beaucoup.